Bonjour, bienvenue sur la chaîne Spareka. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer les fouets de votre mixeur 1453. Alors, nous allons vous montrer comment remplacer du coup les fouets. C'est tout simple. Donc, il faut tout simplement placer la tige ici avec les ergots que vous voyez ici, bien positionnée dans les emplacements prévus. Alors, surtout, ne vous amusez pas à tourner. Visez simplement bien les emplacements et par une simple pression, vous entendez un clic. Et c'est bon, votre fouet est fixé. Faites la même chose avec le deuxième, bien évidemment. Essayez de bien axer le fouet pour qu'il puisse se positionner à côté du premier. Vous faites la même chose, vous regardez bien que l'ergot soit bien fixé dans l'emplacement prévu. Et normalement, vous entendez un petit clic également. Voilà, vos fouets seront placés et bien fixés. Alors, il existe aussi également ce type de fouet. Donc, si vous regardez bien, ce sont deux tiges différentes. Une comporte une rondelle et l'autre non. Et si vous regardez également sur l'appareil, il y a un marqueur visuel qui vous permet de dire que c'est celle-ci, cette tige-là, ce fouet, qui vient se placer ici, donc également à l'aide d'ergot, pour venir se positionner à l'emplacement prévu. Donc on y va tout doucement et on entend bien le clic, c'est fixé. Et également l'autre tige donc, qui est beaucoup plus simple et qui comporte juste des ergots, qu'on vient positionner au même endroit et c'est positionné. Voilà, juste faites bien attention que ce sont deux tiges différentes et qu'il faut bien positionner celle avec la rondelle sur le marqueur visuel qu'on voit ici. Alors vous venez de visionner du coup la vidéo sur le mixeur 1453 de Philips. N'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne Spareka qui comporte de nombreuses vidéos. Vous verrez, nous avons de nombreuses playlists comportant les explications au sujet de la motorisation, l'électroménager, de jardin et de piscine. N'hésitez pas à les consulter. Au revoir.